Salut à tous les amis, c'est Phoenix Gaming, comment ça va? Moi ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de The Forest en compagnie de Kuranda et Striker, ainsi que d'un nouvel arrivant, Ampiglou. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, donc là on se retrouve pour le deuxième épisode. On dit pas bonsoir, on dit bonjour, on est le matin. Oui, pardon. Donc dans le dernier épisode, on s'est retrouvé dans notre petite maison entourée de plein de cannibaux. Ah les gars, il fait jour. Il fait jour, et il se barre je crois, non? Vas-y viens, on les défonce. Attendez. Moi je suis un psychopathe. Waya. Viens, vas-y, j'arrive. Vas-y, Moi je descends tranquillement. Allez, on descend tranquillement. On descend tranquillement, les amis. Bon, je l'ai défoncé. On l'a défoncé. Alors c'est parti. Tu vas se relever. C'est parti pour. Hop. On sauvegarde un coup, les mecs. On sauvegarde un coup. Oh merde, ça a craché. On se reprend tout de suite. On reprend tout de suite, les amis, ça a craché. Voilà, donc re tout le monde. Donc on le retrouve après le crash. Du coup, voilà. Du coup, ça a craché, ça a fait reset la map. Et tous les indigènes ont des pop. C'est triste. Ah, je trouve, pendant votre absence avec Kuranda, on a déchiqueté quelques mobs. Hein, ouais, on avait commencé à déchiqueter des mobs. On vous a vu de toute façon. Ouais. Du coup, MPGlou qui repop là-bas, malheureusement. Ouais, bon, les gars. Ah, c'est bon, moi je suis avec vous. Allez, fais le truc pour tuer les indigènes. Ouais, faut trouver des sticks, les mecs. Go les sticks. Ouais, mais moi faut que je mange là, tu vois. Donc ça, là je l'ai créé. Ça, je l'ai créé sans vous. Dans mon inventaire, hein. Je l'ai créé sans vous, c'est parce que ça sert à mettre les pieds et tout d'indigènes. Vous les faites cuire ici, enfin vous les faites pendre ici, et au bout d'un moment on pourra les manger. Donc voilà, c'est une revenu assez. Grâce à qui? Ouais, grâce à toi, parce que c'est toi qui m'as montré. Ok, les mecs, posez vos sticks là-dessus, là. Sur le truc de construire. Attends, faut que j'aille à la chasse. Là. Ouais. Bah, avant de partir à la chasse, posez vos sticks. Ouais, bah j'en ai qu'un. Bah, c'est pas grave. Du coup, on fait quoi là au milieu? C'est quoi ça que tu fais? Là, ce qu'on va faire. Je prends trop sticks, si j'en ai. Parce que le truc qui est en blanc là. Ouais. C'est pour faire cuire. Enfin, pour manger les. Ah pardon. Les bras, les pieds d'indigène. Ouais, il manque combien de sticks là? Il doit manquer quelques 3-4 sticks. On a un lézard, on peut manger non. Du lézard, les gens. Ouais. Ah, ça c'est bien. Tu as un lézard. Ça, c'est... Mec, t'as tout cassé, c'est trop bien. Hop. Commence à construire le mur. Ouais, mais là, y'a un lézard. Ouais, vas-y, oh, je l'ai défoncé. Où ça, il est, hein? Vas-y, je vais tuer, moi. Oh, y'a un lapin. Faut que tu dis lapin. Oh. Phoenix. Oh. Ouais. Hier, c'est. Après... Hier, j'ai arrêté, tu vois, normalement. Ouais. Et genre, je suis allé sur YouTube, genre, je regardais une vidéo de Forest, et genre, j'ai découvert plein de trucs. Genre, on peut faire Hello un. Tu peux customiser un effigie. Ouais, ouais, je sais, ouais, j'avais vu ça. J'avais vu. Et tu peux trouver une. Apparemment, tu peux trouver une caméra et tout. Genre, tu peux la prendre. Ouais. Bon, c'est pas grave, on a déjà une caméra. Ah, les viewers, voilà. Ouais, mais t'inquiète. Viewer est meilleur que toi. Hein, le truc est construit. Je mets déjà mes. Posez tous vos. C'est vos pieds et vos têtes et tout le bordel sur le truc à appendre. Oh, des champignons. Allez, moi, je vous équipez vos. Eh mec, champignons, ça donne masse bouffe. Il faut équiper vos bras et tout, faut appuyer sur C pour les mettre dessus. Donc faut attendre un peu que ça sèche, puis voilà. Hop, alors on va faire un bon repas là. Hein. Donc là, on commence à couper du bois, les amis. Moi, je suis en train de bouffer tous les champignons que je vois, hein, désolé. Attends, je fais du feu. Je suis un bon feu. Alors on se dépêche à couper on du bois, les mecs. Fire pit, là, je sais pas quoi, avec des cailloux. Allô. Moi, je dis, faut qu'on fasse la barricade et tout, hein, avant la nuit. Hein, ouais, c'est ce que je fais, moi. Je suis en train de couper du bois. Alors, tout le monde se met à couper du bois, ça serait mieux. Ouais. Attends, moi, j'ai des sticks. C'est bon, il est construit, le truc, il est construit. Ouais, ça marche. Ça sert à quoi, du coup? Ça sert à, en fait, tu mets les bras d'indigène, les pieds et les têtes, tu les mets dessus, en appuyant sur C quand tu les tiens. C'est un totem. Non, c'est en gros, c'est un truc pour sécher les aliments. Du coup, okay. Tu mets les pieds, les bras, les têtes que tu récupères, tu les mets dessus à pendre. Et en gros, ils sèchent et tu peux les manger après. Ça marche. C'est pratique. J'ai mis du feu en dessous, c'est grave. Du feu. Ouais, tu peux. Ouais, tu peux mettre une source de. Ah, parfait ça. Je suis en train de couper ma okaï. Voilà, je l'ai fait. Oh, y'a un lézard. Et bim. Comme ça nous permettra aussi de faire cuire de trois trucs. Je suis à la moitié de ma barre de faim. Par contre, c'est un peu la déch là pour le coup. Est-ce qu'on peut déjà manger? Voilà. Et j'ai fait tomber un des rondins là, celui qui veut. Je crois qu'il faut allumer le feu, hein. Oui. Ah, Piglou qui arrive au camp, bonjour! Oui, y'a pas forcément besoin de faire ça. Parce qu'ils sont juste à côté des arbres, donc pas besoin. M'en fiche, moi. Donc ce qu'il vient de construire, c'est un conteneur de. Deux troncs pour les déplacer à plusieurs. Mais là, vu qu'on est juste à côté, c'est pas forcément utile. C'est plus rapide.
Vas-y, je vais boire un coup, moi. Ah, oh, il y a de l'orage. C'est pas grave. Ah, c'est pas fou, ça. C'est pas grave. Alors, on finit les barricades, on va essayer, on ira chercher le katana après, ok. Bon, est-ce que c'est mangeable encore, ça? Ça prend du temps. Hein. Ah, cool, il y a encore des ronds. Je vais me faire un petit lapin, moi, les mecs. Oh, il y a un lapin. Non, merde, j'ai défoncé mon pote, du coup. Putain, il y avait un lapin, non, il est parti. Et puis, je mets l'arbre. Merde, ils sont où mes rondins? Putain, j'ai pas mis mes rondins. Ah, non. Oh, cool, il y a trois rondins là. Elle bientôt fini la barricade là. 57, ouais. Sony, si on s'y met tous là. Je mange un coup, moi je suis en train de m'y mettre là. Voilà. Nice. Vas-y. Oh, mais il y en a 3000 voilà, là, c'est là, bon. Barricade. Non, non, c'est bon. Si on s'y met tous là. Ouais, ouais. À la fin de la journée. Je vais me tuer un truc parce que j'ai faim. T'as vu la barricade ou quoi? Hier on a fait je sais pas combien de bois. Ouais, on a fait deux fois plus grand. Non, mais écoute, pas deux fois, enfin deux sur mes marques, ça sert à rien. Non, c'est mon bois. Attends, vas-y, tu prendras le bois du coup. Oh, une fois. Attends, je vais me faire cuire du rabbit. Ouais, du coup, il est passé où le siège là? Il est toujours dedans. Non. Faudrait aller sur la page pour chercher une tortue pour avoir un conteneur d'eau aussi. Okay. Oh, je coupe un gros arbre là. Les indigènes, ouais. ils peuvent taper la porte là puis rentrer. Oui. Ouais, mais ils le font pas souvent. Oh, mais au pire, nous, on les attend tous devant la porte avec notre hache et si on a un qui rentre, on le défonce. Non, mais c'est rare qu'ils rentrent quand même, hein. C'est très rare. Ça avance bien la baraque, hein, les mecs. Hein. Si, si, elle avance bien, ouais. Ça avance bien. Nya merde, tu passes où, mais trop d'armes. Le plus dangereux, c'est quand les arbres tombent en fait, tu vois. C'est plus drôle. Ouais, mais Piglou, il a de la chance, son avatar, c'est un perso stylé. Je sais même pas ce que c'est, moi, le mien. Des persos bizarres, nous. Je crois que t'as un gars bizarre aussi. Oh, j'ai mangé du lapin, c'était bon. Ouais, en fait, t'es une sorte de... T'es un métis chauve et sans barbe. Et... Ouais. Ah ouais, puis Alex, c'est un métis avec des lunettes. Ah, comme toi. Il a des lunettes de soleil noires, tu sais, au calme. Ah, moi, je vais me faire cuire un poisson. Oh, putain. Poisson, bon, la maison, elle est presque... Les barricades, elles sont presque finies. Après, on fera des trucs et tout. Normal que la porte elle va même disparaître là. What? Il manque un mur là, non? Ah, c'est pas grave, on le refera. Je vais le refaire tout ça. Attendez. Ah, c'est pas normal ça, attendez. Je la refais. Oh putain, y'a un lézard, je vais défoncer. Putain, je crois qu'il y avait un. Il est en train de défoncer un lézard. Ah, c'est bon, il est bon. T'es bas. Ah, tu t'amuses, hein. Ah, c'est drôle, hein. Du coup, on refait une porte. Merde, pas ça que je veux faire. Voilà. Voilà. Oh attention. Putain, du coup, c'est bizarre. Hein. À chaque fois, je me trompe. Oh, y'a pas besoin de mettre des barricades ici. J'ai un caillou. Là. Tu me vois? Ouais, si. Ouais, je te vois. Du coup, moi, j'ai des cailloux. YOLO. Voilà, on fait comme ça. Hop, je vais prendre ma hache. En fait, la porte, elle a eu quoi comme problème? Les mecs, c'est ta... Non, Curanta, stop! Ah, trop tard. Laisse l'arbre comme ça, parce qu'en fait, on va essayer de faire un... Ouais, non, laisse... pas. Bah, non, vas-y. On va pousser. Ouais, j'ai trois sticks, hein, si on a besoin, au cas où. Je peux le couper, celui-là, là, le gros arbre, là. Ouais, couper tous les arbres autour. Hein. Par contre, j'ai faim, là, putain, vraiment faim. Ah, ok, on est là. Mais fais-toi cure du laser. Eh, j'arrive pas à me repérer, j'ai moi. Pris sa peau, je sais où on est. J'arrive pas à savoir où on est, moi. Ah, faut cliquer deux fois sur lui. Ok. Quand tu prends sa peau et puis ils sont mangés. On est au niveau du lac où il y a le petit village à côté. Ah, c'est pour ça qu'il y avait autant d'indigènes. Oui. Non, mais oui, hier, monsieur. Hier, on était à côté d'une grotte, mais. Il y a beaucoup de. Ouais, non, mais ouais, notre partie là, elle était n'importe quoi. Vas-y, il m'a volé mes troncs d'arbres. Ah, ici, il y a une grotte, il faut la péter. Oui, j'ai pas de truc pour. Bon, les grottes, on reste quand même pour le moment. D'abord, on ramasse le katana et tout déjà pour le moment. C'est où il est, le katana? Dans quelle direction on va? Non, en fait, je suis en train d'explorer pour en Europe. Ah, bien! Bien joué. Je connais le village, mais je sais pas trop quel endroit on est. Faut que j'arrive à trouver le gros trou là. Et après, je suis revenu. Allez, j'en charge ma stamina. Bon, j'espère que la série vous plaît, les abonnés. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. À plusieurs là, c'est. Ouais, ouais. Non, moi, je vous déteste tous. Je rappelle qu'ils m'ont obligé encore. Ouais. Moi, ils m'ont déjà acheté un. Oui. Ok, alors. C'est bien, ça avance très très vite là, la maison là. Bon, moi
je vais chercher des champignons. Ah, des champignons, nice. Oh putain, y'a un lapin, je l'ai pas. Ils sont pas les couilles, il y aurait même pas si les champignons sont vénéneux ou pas, ils bouffent. C'est quoi ça, un champignon? Ah, il est vert. C'est un champignon. On le mange. C'est le champignon, moi. T'as vu que je suis en train de me shooter aux champignons. Je crois que je t'ai encore volé tes troncs d'arbres, toi. Mais tout à l'heure, en fait, je te vole tes troncs. Moi je mange. Bon bah, je m'autoproclame bûcheron. Voilà. Et moi, je m'autoproclame voleur de bûcheron. Voleur de bûcheron. Ça, c'était pas mal comme phrase. Non, c'était nul. Oh là là. Voilà, les amis, je m'enfonce dans la jungle. Je suis dans la jungle là, il y a les herbes hautes et tout. Je suis paumé. Tout seul. Tu vas faire blue buff, hein. Oh, je peux lancer des cailloux. Oh, je vais lancer des cailloux sur les indigènes. Ouais, ça fait rien, c'est nul. J'ai déjà essayé un coup, je me suis amusé à balancer des cailloux sur. What the fuck? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas fou ça par contre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un totem avec une croix, puis il y a un mec qui est pendu dessus avec un slip. Puis à côté, il y a un mec qui reste plus que ses intestins. Est-ce qu'il y a des tissus ramassés dessus? Parce que c'est vraiment un royal katana. Attendez, on finit la maison, reste tout. Il a un téléphone dans la bouche. Reste tout est, Valentin, on va te rejoindre quand on a fini la maison. Faut que je boive. Ah putain, ils m'ont planté un téléphone dans la gorge et dans la bouche, puis là il est un peu dans le mal. Ok, en fait je suis au bout. Oh, je me fais défoncer! Au secours! Je vais mourir! T'es où? Oh, il y a un indigène là! Vas-y, ah, c'est un golem ça! C'est pas gentil! Attends, on a un problème! On a un petit contre-temps! Ramassez ses bras! Vas-y, attends, je vais aider. Ils sont trois! Au secours! Casse-toi! C'est bon, y'a personne! Mais ils se battent entre eux! Ils se battent! Mais en fait, j'aurais volé. On va ramasser les pièces. J'ai volé leur totem et tout, donc je crois. Mais ouais! Mais ils se battent! Où ça? Je regarde, hein! Waouh! Oh ouais, les mecs, regardez! Je vous donne. Oh! Ouais, mais tu vas bien! Bâtard! Je vais mourir! Non! Tout gris. Bâtard, viens! Striker, prends des médicaments dans ton sac. Ouais, attends, attention, courant là, fais gaffe! Appuie sur IR et prends des médicaments, Striker. Oh! Tiens, viens, bâtard! Bah, prends-en! Ouais, si t'as pas de vie, prends-en. Deux. C'est plus safe. C'est bon, on le défonce. Vas-y, on le prend en sandwich! Viens, je mais c'est un coureur! Vas-y, mais je veux manger, enfin, tu me reposes, moi. Tu te défonces. T'as peur? Oh, t'as... Tu fuis? Ah, il fuit. C'est sûr, il m'emmène dans sa base et tout. Oh, Phoenix, il arrive sur toi, je te l'envoie. Comment ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un indigène, il arrive sur toi. Ah ouais, il est là! Je le défonce. Salut, mon pote. Pour les abonnés. Ouais, on te défonce, mon pote. Pour les abonnés, mon pote. Voilà, putain, oh, pendant qu'il tue, moi, je me repose. Eh ouais. J'ai fait ça pour vous, les abonnés. Et n'hésitez pas à prendre les bras et les pieds des indigènes, hein, pour qu'on les bouffe. Hein. Et j'y retourne. On va des totems d'abord. On les bouffe. Que je vous montre ce qu'il y avait. Je crois qu'ils ont pas été contents que je leur vole les habits de leurs totems, en fait. Attends, moi je vais finir la barricade puisque moi je suis seul. Bah, c'est ce que je faisais, mais en fait je me faisais un peu embêté par des indigènes. Voilà, j'ai retrouvé l'endroit. Alors... On dirait comment il s'appelle le mec dans la jungle. J'ai retrouvé l'endroit, les mecs. Ok, Pim, je vole tout. Allez, à plus. Le toi, t'as 20 000 indigènes qui te suit. Oh. Au secours. Je me fais attaquer. C'est vrai. Attends, il fait des bruits bizarres. Ouais. Vas-y, défonce-les. En fait, les mecs, on peut améliorer nos armes, hein, si on veut. Hein. C'est une sève de sapin. Porte. C'est bon, on a fini la base, alors. Je suis tout seul. Il manque une bûche, les mecs. 4 bûches. Nommé indigène. Allez, je me raconte ma propre histoire, moi et tout. Explorateur du quartier a trouvé le bateau. Ah, le bateau, il y a les cordes et tout. Ouais. Oh mon dieu, un autre corps. Joue, en fait. Un autre corps. Ses habits. Hop. Et en plus, mec, il y a plein de corps. Il y a plein de corps abandonnés. Je vole leurs habits et tout. Par contre, là, je suis perdu. Où est-ce qu'on a pas fini là? Je suis perdu. Parce que le jeu nous dit. Ah là, ok. Il y a des murs à finir ici. Oh, des tentes. Il y a deux tentes. Ouais, mais ça c'est pas important. Ouais, vas-y, moi je dors dans la tente. Vas-y, je vais flé. Ah, je vais flé. Ah, des poissons. Bon, les mecs, je vous annonce qu'on a fini la base. Nice. Oui, c'est exact. Alors, tente. Ouais, mec, y'a pas ce truc. Hein. Vas-y, c'est bon. Putain, y'a un mec, il est mort dans ce. Oh, une marmite.
Et c'est à l'intérieur, les murs à finir. Il y a un trou là. Mais je passe pas les indiens. Ok. Faut que je regarde où vous êtes, comme ça, ouais, si je peux pas passer. Je vole vers vous. Il en manque une. C'est bon, j'en ai une dans la main. Attends, j'entends des bruits bizarres. Vas-y. Et voilà. Et puis. On peut manger si on veut pour nous. Hop, attise le feu. Faut mettre vos pieds et vos mains là sur le truc. Ouais, je suis en train de collecter des sticks au cas où qu'on en ait besoin. Okay. Ouais, au cas où, ouais, c'est bien. Je mange, moi. J'ai la faim dans mon ventre. Hop. Je mange. Bon, les mecs, on est sécurisés pendant la nuit déjà. Nice. C'est plutôt cool. Voilà, hop. Mangez pas tout hein, sur le truc, hein. Vous mentez, vous, moi, juste un petit peu. Moi, j'ai besoin de bouffer d'ailleurs. Vous régénez pas full votre estomac, mais il est pas full. Ouais, bah oui. Hein, genre, histoire de. Non. J'essaie de chercher des champignons. Je sais pas, on a de la bouffe un peu. Ouais, vous avez beaucoup de bouffe. Bah là, oui, avec les indiens, on a un peu de bouffe. Ok, ça marche. Bah, vas-y, j'arrive. Je cherche un truc à grimper. Maintenant, j'ai un milliard de sticks. Il faut aller. Il faut aller sur. Regardez, vous voyez ou pas? T'es où? Rentre derrière toi. Il faut aller sur la page et faut faire un conteneur d'eau. Attendez, je vous construis ça. Enfin, qui c'est qui a des sticks là qu'avait dit? Moi j'en ai plein. Oh ouais, moi, copain. J'en ai plus plein aussi. moi j'ai des sticks si tu veux. Ouais, attends, je cherche juste ça. J'en ai. Je vais te dire combien j'en ai. J'en ai 10 pile. Ouais, bah ça coûte pas beaucoup mon truc que je veux faire là. C'est pour récupérer l'eau pour qu'on puisse boire en fait. Non, bah tu sais, il y a une rivière juste à côté au pire. On peut boire dedans? Bah oui. Oui, bah oui. Ah, c'est la moment à faire comme ça pour le swag. On s'en fout, hein, de pour l'eau du moment qu'il y en a à côté. Tiens, là, regardez. Construisez-moi ça. Il manque un stick et une carapace de tortue. Gutter sur Turtle Shell. Ah, mais les tortues, il faudrait trouver au bord de la mer en fait. Ouais. I think. Ils sont où les trucs à bouffer? Ça se bouffe ça? Viens voir. Viens voir, Striker, viens voir. C'est tout. Ici. Quand tu rentres dans la maison, t'as les. T'as des trucs là, ici. Ah oh, ouais, oh, nice. Et tu manges les pieds, les mains, les têtes. T'en manges une ou deux, toi, histoire de. Ah oh, oui, oh, oui, une, ça donne déjà pas mal. Ouais. Oh, c'est nice. Ouais, bah, c'est bon. Une, ah, c'est bien. Ça te régène plein de trucs. C'est glissant, c'est bien, l'humain. Ouais, je repars à l'aventure. Qui c'est qui part à l'aventure avec moi? Couranda, viens. Moi, je vais essayer de faire des petits trucs pour la maison, moi. Couranda, nous, on fait les aventuriers, nous, on est des chasseurs. T'es où? Ah, j'étais là-bas. Vas-y, toi, je viens avec toi. On se rejoint. Vas-y, il y a des trucs, il y a des bouteilles et tout. Y'a de la monnaie. De l'eau. Oh, y'a des. Ça. Oh, y'a Mastro. On juif. Hop, on juif tout. On juif tout. Ah. Oh, y'a une lampe. Les gens, ah, mais lampe, en fait, c'est plus facile de trouver le katana où je suis. Oh putain, on peut pas la prendre. Si. Si. Hey, il est juste. Oh mec, oh, y'a un mec. Oh mec, elle s'est fait défoncer dans son sac de couchage, quoi. Ah, mec, quoi, je t'éclaire dessus là. Ah ouais. En fait, j'ai trouvé une astuce pour trouver le katana facilement. Ah ouais, ouais, ah, si. Il allait sur la plage, trouvait ses, bah, l'arbre, là, on s'est installé sur l'autre partie. Ouais. Équipe et L. Bah, tu sais, après le katana, il est en face. T'es juste allé tout droit, quoi. Yeah. Ouais, d'accord. Tu sais, après, tu trouves le, genre, le camp et tout, avec les tentes. Moi, je crois que je l'ai là, je t'éclaire, non? Ouais. Tiens, moi, je t'éclaire, moi. Allez, bim. Oh, mec, on vole tout. Ouais, ouais, je vous rejoins. Alors, je te rejoins. T'es où? T'es là-bas? Ok, un piglou, j'arrive. Vas-y, viens, on recherche des totems et tout que les mecs ils ont fait. Parce que mec, j'ai volé ma truc sur eux. Ouais, peut-être. Là, la nuit va bientôt tomber, les mecs, ça va peut-être bien rentrer. Il est où le katana? Bah, au pire, restez vers la base, comme ça on voit vos noms, puis s'il fait nuit, on rush. De toute façon, sur votre écran, vous avez le marqueur de la maison en fait. Ouais, bah oui, bah justement. On va... Bah oui, bah au pire, on rush vers vous, hein, clairement. Moi, je vous conseille de sauvegarder de temps en temps quand même. Attends, j'entends un bruit de cascade. Oh putain, je crois que j'ai trouvé un truc de dingue là. Oh nice, oh y'a un bateau, j'ai trouvé la mer. Oh la plage, la mer. Essaye de récupérer une tortue, enfin une coquille de tortue. J'y go. Vas-y, viens. Allez. Oh mec, y'a un requin. Oh, y'a des valises. Y'a un requin mort. Oh oui, vas-y, viens. Attendez. Oh. Ah, je suis un peu mal archi tête pendant cet épisode. Parce que je... C'est nul, wesh. Y'a une mouette. Oh, j'ai raté, putain. Sur quel arbre on pourrait poser ça? Est-ce que je suis... Si on peut pas... Si on peut... Viens, on va dans le bateau, Couranda. Non, moi, je juge les valises. Vas-y, moi, je vais dans le bateau, moi, je suis un fou. Vas-y, j'arrive. Si j'ai regardé une vidéo de... Y'a des requins dans la flotte ou pas? Je sais pas, ouais. Mais je vais te dire ça tout de suite.
Non, pour l'instant, je me fais pas bouffer. Ok, pas j'arrête, ok, ok, ok. Je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Où je me noie. Au secours, j'arrive pas à remonter à la surface. Alors. Ah, il y a des trucs à récupérer juste en face de chez nous, ça. Oh, mec, il y a plein de trucs à récupérer. Allez, bim. Vas-y, attends. Vas-y, monte. T'arrives pas. Monte. Ok, on récupère les baies. On récupère les baies pour au cas où. Oh, ça fait peur et tout. Mais, je suis coincé. Ouais, il y a des magazines. Ouais, mais grave, viens, on vole les magazines. Les magazines. Il y a de les cordes. Ouais, bim. J'ai vu la corde. Attends, j'ai regardé une vidéo de Fanta et Bob. Normalement, il y a tout dedans. Putain, mais j'arrive pas à sauter. Il y a plein de cordes ici. Putain, j'ai sauté dans le. On récupère un peu de tous les amis. Je prends les cordes. Hop, ça dégage. Ça. Moi, j'en récupère une torche, les mecs. J'en récupère une torche. Moi, je vais. Prendre la pouille. Attends, moi, je vais voir s'il y a pas des tortues du coup. Ouais, vas-y, c'est bon. Attendez, les mecs. Est-ce qu'on. Ah, il y a un drapeau blanc qui est apparu, c'est quoi? Je sais pas. Je crois que c'est un truc de sauvegarde, donc je ne sais pas. Non, non. MP Glue, c'est toi qui a fait le drapeau blanc là-bas? Ouais. Ok, le drapeau blanc sur la plage, c'est quoi là-bas? C'est bah bateau. Normalement, on... Ok, enfin, d'accord. Change la couleur. Mais on attends, on retourne sur la plage, on va chercher la tortue. Ouais, go chercher une tortue. Ouais, je l'ai mis en bleu. Je l'ai mis en bleu clair, sauf que ça va faire le même. Oui, il y a Phoenix. Salut les mecs, bah, je vais juste aller le coup dans le bateau pour voir ce qu'il y a. Hein. Oui, t'inquiète, c'est ce qu'il va bientôt faire. On a tout pris. C'est bon, les mecs, je vais dans le bateau, on rush la maison. Ouais, vas-y. On a tout pris. Non mais ça se dédouble en fait pour chaque joueur. Clairement là je rentre à la maison parce que je trouve qu'il fait nuit vide quand même. Ouais, ouais. Ah il commence ah oui oui go chercher la tombe là. Putain j'aurais peut-être dû aller demain. Mais qui fait déjà nuit. Non ça va, c'est juste le soleil se cache un peu derrière les montagnes tout le bordel. June 82. Ouais bah perso c'est, moi je sais quoi le. Au secours je me fais déjà attaquer Non. Ah non c'est. Putain, vas-y, on continue, j'ai trop peur. C'est des indices, en gros, les amis. Oh putain, il y en a un là, juste devant. Vas-y, mec, on le défonce. Putain, oh non, en fait, une plaie en fait. Éteins ta lampe. Vas-y, on rentre chez nous. Vas-y, on Phoenix, on t'a. Phoenix, on t'abandonne, hein. Allez, non, t'inquiète, c'est bon, on est pas loin de la maison, les mecs. Bah voilà, la tombe qu'on a trouvée, c'est celle de Phoenix. CJ Phoenix. Oh putain, les mecs là. Je sais pas. Ça va être chaud. Ah. En plus j'ai faim. Oh putain les mecs là. Ouais, y'a la maison. T'as toujours pas le katana là. C'est pas grave, on ira chercher plus tard. Le katana c'est pour aussi une arme. Ouais, c'est une arme super forte en fait. Elle tape vite, elle tape tout le bordel en fait. Bon. J'arrive les mecs, je cours. J'irai voir la tombe. J'irai voir la tombe demain matin. Ah Pantier, va voir si t'aimes pas le truc de tortue. En tout cas où. Ah non mais là j'ai pas le temps là, je rentre à la maison moi. Mais on a fini la barricade ou pas au final? Ouais. Okay. Tout est fini dans la maison. Phoenix, cours. C'est non, qui fait de la lumière là? Hein? Hein? C'est moi, je t'éclaire. Ah oh, putain mec, arrêtez, je crois qu'il y avait un chef là. C'est moi le chef. Mais non mais un zombard chef. C'est moi le chef. Bonjour. Bonsoir. Soir. Bon. Toujours pas de. Bon, faut trouver une turtle shit. Ah, j'ai sauvegardé moi, tu sais quoi, pendant que j'y pense. Ouais, moi aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est qu'un corps dehors du coup là pour le coup. De quoi? C'est qu'un corps dehors. En dehors de les barricades là. Je mouche dans la cabane là. Moi j'ai sauvegardé. Du coup là on est safe, hein, pour rester dans. Ouais, moi je suis bien haut. Tu vois, moi je fais la sentinelle. Je vais bientôt faire des miradors et tout machin, ça va être pas mal. Ah ouais. C'est quoi des miradors? Vous allez voir. C'est une tour de guet quoi. Du coup, pour les arbres, va. Ah, oh, je vais manger un truc, par contre, j'ai faim là. Attendez, moi je descends. Moi. Hop. Si je descends. MP Glue, je le vois arriver. C'est clair, nous. Y'a pas de zombies, genre. Attendez, moi je vais faire des petites torches, moi. Moi je dis, va falloir retourner chasser le cannibale un jour. C'est bon, vous inquiétez pas. Vas-y, dès qu'il fait jour, moi je retourne chasser le cannibale, je retourne sur la plage. Qui c'est qu'a des crânes? Moi je crois que j'ai rien. Moi j'ai rien. Oh, j'ai une cassette vidéo. J'ai une cassette vidéo puis j'ai des cassettes. Allez. Ah, qui c'est qui a crié là? C'est mon frère. Qui c'est qui a des sticks?
Moi j'en ai plein, moi j'en ai 10. Ok, bah go finir ce que j'ai fait là. Il faut des. Ah, les crânes, un deuxième crâne ici s'il vous plaît. J'ai pas de crâne. Qui c'est qui a posé le crâne? Un piglou, non? C'est où que t'as besoin de sticks? Ça sert à quoi ça? Le stick c'est bon, c'est fini. Je veux juste un. C'est pour faire de la lumière. Et je pense dès qu'on pourra, on agrandira un peu. Ouais. On détruira ça, mais... on allongera un peu partout. Non, mais inquiétez pas, là pour le moment, les arbres, vous allez faire gaffe à ce que vous coupez parce que j'essaie de faire des prolongements dans les arbres et tout. Ouais. Y'a personne qui a un crâne là, s'il vous plaît? J'ai rien du tout, moi. Non. Un piglou, t'as pas un crâne? Nope. Bon, les gens, moi j'ai le drapeau blanc. En fait, y'a quoi au drapeau blanc? C'est qui l'a mis? Évitez que. Non, reviens, parce que là tu vas te faire tuer. Hein. Non, Kuranda, je ne t'abandonnerai pas. Bon. Si tu meurs, je mourrai avec toi. Bon, je dis, restez safe à la maison. Ouais, reste à la maison. Ah oui, y'a du monde là-bas. La nuit, c'est pas trop. Je l'ai défoncé. Ah ouais. Non, en vrai, on va rentrer. Mais en fait, je pense qu'il a une famille. Non, oui, il a une famille. Ah oui, il a une famille. Oh. Ah oui, ils sont deux. On s'en va. Ah oui, vas-y, on s'en va. T'es où? Je suis là. Derrière toi. Je non. T'écoute. Oh, des champignons. Oh, encore un stick. Hop, un peu de lumière, c'est cool ça. Oh, je crois que j'ai chopé un crâne. Ah ouais, j'ai un chopé une tête qui était par terre. Vas-y. Si t'as besoin d'une tête. Pas d'un crâne. Capitaine de mes deux. Hop. Problème. 2v1, c'est ça? J'arrive pas à rentrer dans la maison. Ok, je prends. Mais quoi, c'est que pas mon gars? J'arrive pas à rentrer dans la maison. Il y a deux cadavres à venir chercher dehors. Attends, j'ai faim. Ah, et manger des pieds et des têtes là. Ouais. Moi je dois bientôt y aller, les gars. Ouais, mais je pense qu'on va faire. On va faire l'épisode là, le deuxième épisode aujourd'hui là. Si ça fait. Val, où tu vas? Je vais aller faire des courses. Ouais, bah tu reviendras après, ouais. En attendant, on ira sur notre petite sauvegarde perso. Les viewers, j'espère que ça vous plaît cette petite aventure sur The Forest. En tout cas, moi, nous, comme d'habitude, ça nous plaît de faire cette petite survie. Hein. Donc, notre petit invité aujourd'hui qui nous a rejoint dans notre aventure, I'm Piglou. Ah bah, heureusement qu'il y a un homme hein, dans cette aventure. Hein. Parce qu'on est tous des hommes. C'est les tapettes qui restent pendant la nuit. Oui. Et donc là, on est voilà avec Striker, avec Kuranda et puis I'm Piglou. Voilà, on a commencé une petite série. Moi ça me plaît beaucoup, t'es avec vous là, pour cette série. Ça voilà. Et puis si vous voulez marquer des trucs dans les commentaires. Ouais, bah t'es dans les commentaires, faites des petites réactions sur ce qui se passe. Ça nous ferait super plaisir. Bon. Je vais mettre un peu. Ouais, savoir ce que vous pensez un peu de nous. Voilà, bon écoutez, on va se laisser. Oh, je défonce. Non, Kuranda. Pourquoi tu fais ça? Kuranda, on arrive, Kuranda, avant de couper l'épisode, on arrive. Vas-y, vais. Ah d'accord, ok. On arrive avec la train de découper un corps. Je croyais qu'il était en danger et tout, mais non, le mec est en train de découper un corps. Il y a de la lumière, le mec. Ah non, allez. C'est avec sa torche là, putain. A plus, les gens. Bon, écoutez, allez. On va se laisser ici pour aujourd'hui, les amis. J'espère que l'aventure vous plaît. Voilà. A plus, les amis. Au revoir, tout le monde. Allez, à plus. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And every